maintenant 54 jours en pédale. Nous sommes à peu près à la moitié de notre périple. Il reste 46 jours encore pour aller au Cap Nord et pour revenir jusqu'à Amsterdam. La raison de ce projet, c'est le soutien au peuple ukrainien qui passe un mauvais moment en ce moment, surtout les réfugiés qui ont tout perdu et qui s'est enfui par millions de leur pays. Lors de notre périple, eh bien, on s'arrête dans les entreprises qui nous donnent de l'argent. Pas à nous, bien sûr, qui le versent, à la fondation Spartak Kappa via le site GoFundMe NordCap Objective. Les particuliers, les salariés peuvent donner également. Et tout l'argent qui aura été récolté durant le trajet, durant ces 100 jours de périple, sera doublé par le groupe Superfit Kappa lorsque nous reviendrons à Amsterdam. Donc aujourd'hui, on doit être à peu près à 40 000 euros de dons, mais surtout des dons octroyés par les entreprises. Mais les salariés du groupe Superfit Kappa ne donnent pas énormément en fait. Ce qui nous surprend un peu, mais on le comprend, je crois comprendre les difficultés qu'il y a à donner de l'argent parce qu'on ne sait pas trop où il va, ou on ne sait pas faire, on ne sait pas à qui donner. Mais néanmoins, tout le monde est sensibilisé sur la crise ukrainienne. Le soir, quand on regarde les informations, on voit les dégâts causés sur ce pays et sur les réfugiés qui le fuient. Et puis on a tous envie bien sûr de leur tendre la main, de les aider, mais on ne sait pas comment. Et puis on se dit, je vais donner 10 euros, mais ça va servir à quoi? Et tout ça, on peut l'entendre. Vous avez une occasion unique, c'est donner 10 euros et aider le peuple ukrainien. Parce que si vous donnez 10 euros, c'est très important. Nous sommes 27 000 salariés en Europe, et si les 27 000 salariés donnaient 10 euros, ça ferait 270 000 euros. Et comme l'argent est doublé, eh bien, ça ferait 540 000 euros pour les Ukrainiens. Alors vous voyez, c'est une petite somme au départ, c'est même pas le prix d'un paquet de cigarettes. Et à l'arrivée, ça peut faire une grosse rivière qui peut vraiment aider les Ukrainiens. Donc je vous invite tous à donner, n'hésitez pas. Il suffit de taper sur Google GoFundMe NordCap Objective et vous pouvez donner 10 euros. Il faut le faire. Et il faut qu'on arrive à au moins une somme conséquente pour que cela soit utile aux Ukrainiens. Cette somme sera versée à Médecins Sans Frontières qui l'utilisera uniquement pour porter de l'aide aux réfugiés ukrainiens. Voilà, à bientôt sur notre chaîne YouTube. Au revoir.